Ok, les amis. Ok, alors attendez, parce que j'ai pas du tout, après, allumé le jeu. Je suis vraiment une merde. Ok. Attendez. De toute façon, je peux pas allumer le jeu en avance pour une raison très simple. Pas de raison. Ok, je suis une merde. Si, parce que quand je l'allume, ça me fait bugger l'interface un peu, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas la mort, c'est juste, voilà, c'est comme ça le fait, je fasse très gaffe, quoi. Ok, les amis, fenêtre, ça m'a l'air bon, sur la fenêtre. Attendez, est-ce que tu as pas niqué tout avant? Te le dis tout de suite, mon frérot. Tu vois, je suis un peu trop joueur. Bah, j'ai joué quelques games sur CS, tu vois, mais j'ai pas joué la win, quoi. J'ai joué pour les carries. Je carry mes mates. Ça, la vie, c'est comme ça. Ça, je vais prendre une crise d'épilepsie, regardez mon. Peux avoir le jeu qui s'allume ou je vais me faire foutre, moi, de mon côté? D'ailleurs, sachez que comment ça s'appelle? Toutes les scènes changeront, hein, quand j'aurai fini la refonte de la chaîne. Ouais, c'est ça. Vous voyez ça comme une refonte en vrai. Si vous avez le son, je vais regarder ça tout de suite si vous avez le son. Et vous l'avez, c'est un miracle. D'ailleurs, c'est pour ça que la première scène que je suis en train de refaire. C'est la scène de Pokémon Réunion, qui est la seule scène qui peut sortir en avance. Que si Pokémon Réunion sort avant début octobre, donc avant la refonte annoncée de la chaîne, et ben ça peut techniquement tout niquer. Donc je sortirai cette scène en avance, ce qui spoilera Tout un s'est peu tout. échappé Mais... sur Internet. Et s'il voulait accéder à des choses plus excitantes? Les codes nucléaires. Les codes nucléaires. Ultron nous provoque. Le monde est vaste. Commençons à le réduire. Je suis venu sauver le monde. C'est quoi? Un message. Je connais ce type. Il opère sur la côte africaine. Des armes du marché noir. Et où est ce type? Selon Monsieur Stark, Ok. Miss Clow est à bord d'un navire appelé Churchill. Ouvrez l'œil. Je suppose que c'est le mode libre, voilà, parce qu'on a 1 million de pièces. Donc c'est considéré comme le mode libre, mais on va directement avancer le mode histoire, les amis. On dégage ça pour voir le titre, c'est ça?
Ah, et beaucoup de pièces quand même un peu là. Tout ça, ça devient constructible. Ok, ça marche. On rappelle, hein. Ah, attends, mais Black Widow, elle peut le faire, je crois, non? Et c'est bien plus rapide que Thor. Thor, qui, je vous le rappelle, a besoin d'une durée de chargement pour faire son truc électrique de merde. Churchill. Je crois qu'on y est, les gars. J'ai déjà oublié le premier truc qu'ils nous ont montré, c'est open. J'ai déjà oublié le premier truc qu'ils nous ont montré, c'est open. On a sécurisé. Mais bon, j'ai pas oublié le dernier ni l'avant-dernier, donc c'est déjà ça. Hein. Bon, pour animer un peu cette mission, moi j'ai très peu de choses à vous dire sur les annonces ou quoi. De toute façon, j'évite de trop vous dire sur les annonces, histoire de vous laisser aussi un peu la surprise. Mais ouais, comme vous avez vu sur Twitter, je nous a passé des commandes Le Bon Coin sur les figurines pop Loki. Et j'ai commandé une... J'ai commandé une figurine pop du Loki président qui s'est bouffé la main par le croco. Et si vous voulez... Normalement, une fois qu'ils ont sur Le Bon Coin, une fois que vous passez la commande, le site donne 48 heures à l'acheteur pour dire qu'il dispose de l'objet. Voilà. Pas pour le vendre ou quoi, hein, pour disposer de l'objet. J'ai commandé deux figurines pop, il m'a dit « Ouais, c'est bon, il dispo, il a pas encore envoyé. » Moi, j'ai encore un peu le mort. Je vais attendre demain pour qu'il l'envoie, c'est pas grave. Hein. C'est bien qu'il puisse se bouger un peu, à la limite. Bon, s'il n'est pas encore envoyé, je... Voilà. Et donc, sur 48 heures, je commence à me dire, bon, c'est facile d'envoyer ne serait-ce qu'un message pour dire que tu as l'objet, vous voyez. Easy, quoi. Et là, bout de 48 heures, il envoie un message automatique. Bon, j'attends un peu, je me dis, bon, bah, imaginons, il y a un court message. Pourquoi je passe si... Le message, il répond pas. Et de temps en temps, vous savez, je check le profil du mec quand même, voir si c'est un mec fiable ou quoi. Et là, je vois le mec, il répond. En fait, quand vous répondez sur Le Bon Coin, il y a un algorithme qui calcule votre temps de réponse approximatif. Genre, si vous êtes très actif sur Le Bon Coin, il y aura écrit tout en haut, répond généralement en 30 minutes. Ce qui était écrit sur le pseudo du mec, quoi. Et le mec, voilà pas que je me dis, bon, si en 48 heures, il répond pas alors qu'il répond généralement en une demi-heure... C'est peut-être qu'il veut pas vendre. Et la goutte qui a fait déborder l'eau du vase. C'est pas ça quand même la réponse. Oh, je vais péter mon crâne. Oh, l'intelligence elle est au maximum. Oh, je vais péter mon crâne. Mais qui peut y avoir pensé à ça? Mais personne n'y pense à ça. Et du coup, ouais, je vous disais... et donc j'annule la commande. Je me dis, bon bah tant pis, il veut pas vendre, je veux pas vendre. Je crois qu'en plus sur Le Bon Coin, il y a d'autres annonces. Bon, c'est la moins chère, j'ai un peu le mort, mais c'est pas grave. Et je vous jure, hein, j'annule la commande. 2 minutes après, vraiment top chrono. Hein. Ah oui, non pardon, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est que j'ai vu le mec connecté. Voilà, et qui m'a pas répondu. Je vous laisse la cinématique. Évidemment, le docteur Bruce Banner hésitait à laisser Hulk rejoindre le combat auprès des Avengers. Avec Tony Stark, ils ont développé un dispositif de sécurité si le gros monstre vert décidait de tout casser. L'armure spéciale Hulkbuster d'Iron Man peut être envoyée du satellite Veronica de Tony n'importe où dans le monde. Ça paraît effectivement plus efficace que du jazz, des bongos ou un gros sachet de bonbons. Tenez-vous la façade. Bien, monsieur le ministre, où en étions-nous? Ouais.
Destructeur, avec l'homme qui commande. Parle pour le faire. Tu veux un bonbon? Le vibranium. Ça vaut des milliards. Toi aussi à présent. Enrichis tes amis et tes ennemis. Tu verras plus tard qui est qui. Tony Stark disait ça. Tu es sa création. Ne me compare pas à Stark. Junior. Tu vas briser le cœur de ton père. S'il le faut. Des tueurs. Lesquels? Tous. Et donc du coup, ouais, il était connecté, il a pas répondu au message. C'est-à-dire qu'il a fallait juste qu'il dise qu'il avait l'objet, c'est juste un clic, hein, littéralement, et il l'a pas fait. Et j'ai commencé à me dire, bon, frérot, quand même, te fous pas trop de ma gueule, quoi. Enfin, j'ai pas dit, j'ai pensé ça. J'annule la commande, du coup, et juste après, 2 minutes après, vous voulez plus la figurine pop? Alors du coup, par pur ego, bah, je me suis dit que je lui répondrais dans 2 jours, voilà, et que je lui répondrais non, bien sûr. Bon, faut pas non plus être un connard, quoi, je suis désolé, mais... J'aime bien qu'on prenne pour un pigeon, mais faut pas exagérer. Du coup, la figurine, j'achèterai ailleurs, quoi. Ça me fout le mort, parce que c'est bon, c'est quoi ce comportement de merde sur le bon coin, quoi. Et à côté, j'ai des mecs, c'est des amours, hein. J'ai un mec, il m'a envoyé le colis. Le colis s'est retrouvé à Paris. Alors là, me demandez pas comment, j'en ai aucune idée. Le machin s'est retrouvé à Paris, j'étais en mode, ouais, bon, d'accord, ok. Donc du coup, pas que l'histoire. Du coup, j'ai dit au mec, attendez, je vais quand même vérifier, mais je crois que mon colis il est à Paris. Il dit, comment ça à Paris? Je regarde, et en effet, le machin il est à Paris. Donc j'habite pas à Paris, hein. Et du coup, je vais voir là. Quand j'ai été récupérer un autre colis, j'ai commandé beaucoup de colis sur le bon coin, en vrai. J'ai récupéré un autre colis et là. La dame de, qui gère l'endroit où je mets les Mondial Relais, qui est vraiment super gentille, hein. Et elle me dit, ah, c'est ce colis-là, vous l'avez récupéré? J'ai dit, non, l'autre colis, il est à Paris. Et elle me dit, ah bah, c'est normal, en été, il y a plein d'intérimaires, et des fois, les intérimaires, ils se perdent. Moi, par exemple, j'ai plein de colis qui devaient arriver à Aix-en-Provence. J'étais en mode, mais attendez. Donc, du coup, apparemment, Mondial Relais fait un peu de la merde en été. Ça me coiffe le banc aussi. Et, du coup, ben... Le mec, super gentil, hein, pareil, il m'a dit, bah au pire, enfin moi je lui ai dit, de toute façon le colis il revient, à un moment donné, si vous n'avez pas acheté le colis au Mondial Relais, il revient à l'envoyeur. J'ai dit, de toute façon il va vous revenir, hein, vous ne déplacez pas pour ça, c'est pas la peine. Lui il était prêt à se déplacer, jusqu'à aller à Paris pour aller me le rechercher. Alors c'est super gentil, attention, hein, je dis pas le contraire. Je lui ai juste dit que c'était pas nécessaire d'en arriver jusque là, parce que bon, voilà, enfin, là, enfin les mecs ils sont trompés, ils ont pas dépensé de l'essence, ni lui, ni moi, enfin moi c'est impossible, mais... Et lui, on va pas non plus pas le faire chier pour ça, quoi. Et après, il passe quoi, du coup, avec le... ça, je comprends pas. Vu que Thor ne dispose pas de ça... Donc Black Widow, elle arrive à remonter. Ah, bien, il y a un escalier, Et et donc, du coup, ouais... Et puis, il va refaire un tour avant que j'arrive jusqu'à moi. Attention, 1, 2, 3, maintenant. Et donc du coup, il m'a dit, bah, j'attends qu'il me le rende et je vous le renvoie. Un amour ce mec là. Et là on parle juste d'une seule carte Pokémon qui vaut 5 euros, c'est un Miradar. Hein. C'est un vieux Miradar. Moi j'ai content d'avoir parce que c'est un Pokémon de la 5G que j'ai trouvé pas cher. Je crois que c'est le Miradar de la Team Plasma. Vous savez, hein, la 5G, la Team Plasma, il faut pas tant que ça pour être content. Et là il m'a dit, bah, je vous la renvoie quoi. Et là ça par contre, ça c'est un amour. De mec qui va se dire, bon bah voilà, je vais lui renvoyer le colis, il a aucune raison de le faire, hein. Il le fait. C'est comme d'autres gens, il y a plein d'autres gens, voilà, ou alors tout simplement, hein, le Loki que vous avez vu sur Twitter, bah voilà, il ne m'en a pas beaucoup parlé, il me l'a envoyé à temps, il me l'a envoyé comme il fallait, je lui ai dit merci, je te mets l'annonce, basta, pas besoin non plus de... Ben voilà quoi, ils ont full déconné là, ceux de Loki proposé quoi.
J'avais trouvé la pop de Bruce Remains, donc le Kang de la série Loki. Bon, il a pas non plus répondu au message, j'ai eu un peu le mort aussi, hein, pas vous mentir. Ah d'accord, ok. J'ai eu un peu le mort. Et lui au moins il a pas râlé quand j'ai eu la commande deux secondes après, quoi. Donc, bon. Voilà, je vais juste dire que le bon coin des fois c'était de sacrés enfoirés, quoi, si je peux me permettre le terme. Tu vois, le foutage de gueule, ça va 5 minutes, mais... Ça me déprime un peu, quoi. Peut-être qu'on fera qu'un seul niveau du mode histoire, hein, peut-être. Je veux dire, là, il est déjà pas très tard, mais il est pas non plus super tôt. De mon côté, je pense que ça va... cette mission là vu qu'on vient à peine de la commencer qu'il est déjà minuit et après ça va de dos quoi. Ah, notre tort encore là. C'est vraiment une merde. Ok, c'était juste ça. Les gars, c'est un code vert ? Passons à des jeux d'esprit. Thor, au rapport. Je suis tout puissant. Madame B. Ok, bonjour Madame B. Ok, je ne serais pas conduit à la jouer en vrai. Non, en vrai, pourquoi pas. Hein. Bon potentiel, ça, de jouer Madame B. Hein. Tu sers Madame B. Ah mais dis pas que t'es comme le genre William, c'est que tu sers à rien en vérité. Ça me ferait un peu câbler en vrai cette information. C'est juste un endroit pour me coincer là. Ah oui d'accord, ok. Ah merci à vous. Encore, vous les poussez à bout. Seulement les plus fragiles. Ah.
Donc il fallait s'approcher de la fenêtre. Ah, oh, ça va être chaud sans mode libre. Moi, je vais râler de fou. Peggy. Oh, la... oh, elle est magnifique, Peggy, en Lego. Vous savez, le jour où ils sortent une Peggy comme ça en Lego, je l'achète jour 1. Oui, jour, Peggy. On danse? Un peu glauque le jeu Lego là d'un coup. Est-ce lui, le fils aîné d'Odin? Et oui les amis. Pas jouer, je prends un père. Hein. B. Êtes-vous aveugle ? Je suis pas fan. Ça va aller. Je veux le monstre. Ah, le vibranium s'en va. Et toi, tu vas nulle part? Bien sûr que non, je suis déjà là-bas. Tu comprendras, mais d'abord... capture le docteur Banner. Natacha, il me faudrait une berceuse. Ah, il faut pas y compter. Pas avant un moment. Toute l'équipe est HS. Je fais venir Véronica. Tu es plus fort qu'elle. Tu es Bruce Banner. D'accord, pas le petit Banner. Je crois qu'on n'aura pas de berceuse de sitôt, les gars. Il faut se préparer. Véronica devrait pouvoir nous aider. Déploiement. Voyons comment il est le level. Main que soit kiffant hein, mais c'est pas trop. Poutilhomme. Quoi ça? Peut-être que j'ai pas le choix de jouer ça. Dors, oui mon pote. Tu t'écoutes mon pote. Et non. Non, mon pote.
Veuillez évacuer la zone pour votre sécurité. Le quartier n'est pas sûr. Veuillez évacuer la zone pour votre sécurité. Le quartier n'est pas sûr. Veuillez évacuer la zone pour votre sécurité. Le quartier n'est pas sûr. Veuillez évacuer la zone pour votre sécurité. Le quartier n'est pas sûr. Veuillez évacuer la zone pour votre sécurité. Tu es dedans, mon pote ! Eh oui, tu es dedans, mon pote, comme ça. La cage en Lego, pour Plex, pas comme ça, pas celle-là. Mais... C'est un truc de bot, c'est un peu les gars. Le quartier n'est pas sûr. Veuillez évacuer la zone pour votre sécurité. Merde, c'était temporaire. My bot, j'avais su. J'ai jamais réussi ce premier coup. Une merde, hein, c'est toujours un, hein, mais j'arrive toujours pas.
Allez, dodo mon grand, faut que tu dormes. Y'a pas d'autofocus, ça, je vous le dis. Arrêtez mon pote! Ok, nickel. Bon, mes amis, vous savez, hein, je vous laisse la cinématique parce qu'on va se laisser là. Commence à connaître un peu la chanson, je pense. Hein. Restez en mode furtif et ne revenez pas. On fuit et on se cache. Jusqu'à ce qu'on trouve Ultron, je n'ai rien d'autre à proposer. Si vous voulez dormir. C'est le moment, parce qu'on a encore quelques heures de vol. Pour aller... où? En lieu sûr. Chérie, c'est moi. Les invités. Désolé, j'aurais dû te prévenir. Thor. J'ai besoin de réponse. Elle se trouve pas ici. Salut les gars, il commence à faire un peu frisquet, hein? Ça vous dérangerait de nous couper un peu de bois en prévision? Je crois que Clint a caché les haches dans le coin pour éviter que les enfants se blessent. Ok, bon du coup les amis, vous le savez, nous on va se laisser là. YouTube, j'espère que ça vous a plu, YouTube. Désolé, hein, certains épisodes sont très courts sur ce jeu. Et j'espère que ça ne vous pose pas trop de problèmes, parce que voilà, c'est un truc un peu chill, quoi. C'est chillax. Et voilà, donc YouTube, on... Merde. Et du coup, YouTube, bah, on se retrouve plus tard. Je pense que vu le nombre de vidéos qu'il va y avoir, je me demande si plus tard, ça sera pas dans quelques jours, donc une semaine. On verra bien. Voilà, donc YouTube, on se retrouve à plus tard, YouTube. Donc voilà pour nous. Twitch, alors Twitch, je sais pas quand est-ce qu'on se retrouve, parce que là, la semaine qui va arriver va être beaucoup plus chill. Et donc, il y a beaucoup plus de chances que je fasse des nocturnes que la semaine dernière. Mais, on n'est pas encore dans cette optique de... D'accord, je ne fais plus live de surf. On n'est pas encore dans cette optique de... Je suis à 100%. En vrai... Parce qu'en fait, le truc, c'est que j'aimerais bien vous dire, mercredi, j'en fais un pour équilibrer un peu, mais... On verra déjà, on verra. Dites-vous que demain, il n'y en aura pas, c'est sûr. Mardi, il n'y en aura peut-être un peu si mardi, d'accord? Si ça vous dit. Voilà. Et lundi, on prend sur le jeu les coups, du coup. Donc, les amis, on se retrouve mardi, potentiellement, en stream. Et puis, voilà, je vais faire vite fait le petit récap de YouTube, le petit TikTok. Et après, on se laisse là. Donc, les amis, j'espère que ce petit stream vous a plu. Nous, de l'autre côté, on se retrouve dans 2 jours pour la suite. Portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde. Bonne rentrée à tous. Et ciao, ciao tout le monde.